السلام عليكم، اليوم ننجز تمرينًا يتعلق بما تعلمناه في الدرس الماضي، وهو تصريف أفعال المجموعة الأولى في الزمن الماضي مع الفعل المساعد إتر. Les verbes du premier groupe au passé composé avec l'auxiliaire être. نبدأ التمرين بعد قليل. أهلًا من جديد، لننتبه إلا للمطلوب الآن. Je mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Le passé composé. La phrase numéro 1. Sarah à la maison ce matin. Le verbe c'est rester. Le pronom avec lequel on doit conjuguer le verbe c'est elle. Parce que le sujet c'est un nom féminin. Sarah. Alors on doit dire... Sarah est restée à la maison ce matin. Et bien sûr, on doit faire attention. Est restée à la fin, E accent E. Parce que le sujet est féminin, c'est Sarah. Alors à la fin, on doit ajouter E. Parce que ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. La phrase numéro 2. Les invités à 9h. Le verbe c'est arriver. Alors, si on veut remplacer les invités par un pronom, ce pronom sera il avec S. Alors, on doit dire les invités sont arrivés. En bien sûr, arrivés à la fin, E accent S. Parce que le sujet est pluriel. Les invités. Alors, je dois ajouter la marque du pluriel qui est bien sûr S. La phrase numéro 3. Je devant la porte de la salle. Le verbe c'est tomber. Alors bien sûr, on doit dire ⁇ Je suis tombé devant la porte de la salle ⁇ Bien sûr là, on peut écrire ⁇ Je suis tombé ⁇ à la fin, e-accent e, si le sujet est féminin. Ici, le sujet, c'est le pronom personnel ⁇ je ⁇ Alors dans cette phrase, on suppose que celui qui parle est un garçon, par exemple. Si c'est une fille qui parle, à la fin, on doit ajouter e. Parce que le sujet sera féminin. La phrase numéro 4. Il. Dans la voiture pour partir. Le verbe c'est monter. Alors là on doit dire. Ils sont montés dans la voiture pour partir. On fait attention, monter à la fin accent S. Parce que le sujet c'est. Il avec S. C'est pluriel. Ils sont montés dans la voiture pour partir. La dernière phrase, la phrase numéro 5. Nous. Sous le pont. Le verbe c'est passer. Alors là on va dire Nous sommes passés sous le pont. À la fin bien sûr, E accent S parce que c'est pluriel. Mais on peut supposer que le sujet est féminin. Par exemple, un groupe de filles qui parlent, elles disent Nous sommes passés sous le pont. Alors dans ce cas on doit dire Nous sommes passés à la fin. E accent E S. E pour le féminin, S pour le pluriel. هكذا نصل إلى نهاية هذا التمرين، ختامًا وكالعادة نشكر لكم طيب المتابعة، ونتمنى لكم دائمًا رحلة موفقة